Sortira de ton nom, s'en remettant du soin de trouver son excuse à tous les gens de bien qui ne boivent pas d'eau. C'est là que parmi la fumée et le vin vieux des noirs saillés naissent les rêves par milliers. Là que d'Hoffmann je fus aimé. Et les sur scène, un peuple l'acclame. Le divin Mozart prête à ses accents ce foyer menteur, cette ardente flamme qui d'Hoffmann jadis embrase à l'essence. Je veux qu'il répudie un amour qui m'outrage et m'appartienne tout entier. Vous, flacons et tonneaux, secondez mon ouvrage. Votre ivresse fait oublier. Le conseiller Lindorf, parbleu! Tu ne connais pas le conseiller Lindorf? Non. Ainsi, tu appartiens à la Stella? Oui. Ne vient-elle pas de Milan? Oui. Aime-t-elle quelqu'un? Oui. Hoffmann? Oui. Donne-moi cette lettre. Tiens! Et va-t'en au diable! Oui. Voyons si la maîtresse est aussi monosyllabique que le valet. Tiens! Une clé. Cher Hoffmann, je t'attends dans 2 heures après la représentation. Je t'aime, Stella. Ah, les femmes. Non, cela ne sera pas, chère prima donna. Et dans 2 heures, c'est le conseiller Lindorf qui ouvrira discrètement la porte de votre boudoir parfumé. Dans les vols d'amour langoureux, je sais que je suis pitoyable, et j'ai là l'esprit comme un diable, comme un diable. Mes yeux lancent des éclairs, j'ai dans tout le physique. Un aspect satanique qui produit sur les rêves et fait une pile électrique. Par les rêves, j'arrive au cœur, je triomphe par la peur, je triomphe par la peur, je triomphe par la peur. Par la peur. Je suis Dieu, mais je suis Dieu, mais je...
De Don Juan vient de finir. Il paraît que notre cantatrice a du succès. 2 heures devant moi. L'ami Hoffmann va venir. Surveillons-le jusqu'au moment du rendez-vous. Allons, allons, mes enfants. Préparez cette salle. Le premier acte de Don Juan va finir. Et nous allons recevoir M. Hoffmann et ses amis. Et la prière de cette pauvre sur le grand guidon.
ce coquin-là, par Dieu, que m'a fait ta vie. À moi! À moi! Et comme lui, couchant dans le ruisseau, sans oreiller la pierre, les rideaux, le ciel, sans tour de pierre, la pluie, qu'as-tu donc, Hoffmann? Rien! Pour te gayer, bois et chante, nous ferons chorus. Nous ferons chorus. Quelque chose de gai. La chanson durera. Non, moi je suis fatigué. Ce qu'il nous faut, c'est la légende de Kleinsack. C'est la légende de Kleinsack. Kleinsack, je parle d'un
détestable. Arrive-moi les poches. Arrive-moi les poches. Prisons-nous. Prisons-nous. Et qu'elle est plus pour nous laisse sous la table. Et qu'elle est plus pour nous laisse sous la table. Il est bien dans ma bombe. Tire-le, tire-le-la. C'est un con de la somme. Tire-le, tire-le-la. C'est un con de la somme. Amoureux, amoureux, le diable m'a porté si jamais je le deviens. Thank you.
marchisa offrodera. Dammi tre sedoc tresor que tu me prise tal en autre. Ma maîtresse. Ma maîtresse, non pas, tu t'es mieux, trois maîtresse. Me fera regagner les 500 ducats que vient de me coûter la banqueroute du juif Elias. Ah, mais ce diable de Coppelius, pourvu qu'il ne vienne pas réclamer sa part de la paternité. Attends, non, je suis fou de prendre ombrage de ce maudit marchand de lunettes. Ne pensons plus qu'à rendre ma fête splendide et digne de mes hôtes. Monsieur. Oui, monsieur, oui. Oh, quoi? Hein? Hoffman. Bonjour, mon cher Hoffman. Oh, mais quel
quelle exactitude! Vous êtes, de tous mes élèves, celui que j'estime le plus. Cher maître. Ah, il faut m'excuser, mon cher. C'est ma grande soirée qui me trotte dans la tête. N'est-ce pas à l'honneur de mademoiselle Olympia? Oui, mon ami. C'est ce soir que ma fille fait sa première apparition dans le monde. Quelle ravissante personne! Et quelle belle chose que la physique! Elle étudie la physique? Hein? Mais non! Mais elle est fort bonne musicienne! Et quel caractère! Monsieur! Oui? Les tapis, demande vos derniers. Mais c'est quoi? Ordre! Oh, pardon! Pardon, mon cher Hoffman! Je suis à vous dans l'instant! Allons, courage et confiance! Je deviens un puits de science. Il faut tourner selon le vent pour mériter celui que j'aime. Je saurai trouver en moi-même l'étoffe et l'enchaînement. C'est un ange, oui, je l'amour.
je n'ose pas. Vaillant, parle-lui. Les dangers sont le même. Alors chante, morbleu, pour sortir de tes pas. Monsieur Spallanzani, ne me pas la musique. Oui, je sais, tout pour la physique, pour la physique. Une pompée aux yeux d'émail, jouant au milieu de mes rompailles, auprès de petits coquins noirs, de petits coquins pires. Il semble que la vie manque à ce regard, le sang à ce visage, comme si son âme avait quitté son corps. À quoi pense-t-elle? Balanzani, je doute que ma visite lui fasse grand plaisir. Qu'est-ce donc que ce monsieur regarde? Ah, notre Olympia. Leur Olympia? Chanom, Chanom, vous regardez mademoiselle Olympia, fille de mon ami Balanzani. C'est moi qui lui vends des baromètres, Copilius. Fabricant des baromètres, des thermomètres et des hygromètres. Voilà. Monsieur n'aurait pas besoin d'un baromètre? Non, merci. Ah, je comprends. Heureux les amoureux, n'est-ce pas? Vous dites? Et j'ai aussi des yeux, de beaux yeux. Des lunettes, tu veux dire? Non, monsieur. Des yeux véritables. Des yeux vivants. J'ai des yeux de précieux, des yeux vivants, des yeux de flamme. Des yeux merveilleux qui vont jusque son âme. Tenez, ce lorgnon,
une pièce rare. Droit du gars. Donne. Droit du gars. Espiens-toi, Olympia. Droit du gars. Oh, pourquoi me ravir cette apparition divine? Il veut ces trois ducats. Donne-les. Privilège de l'amitié. C'est lui qui regarde et c'est moi qui paie. Voilà, 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 tout est prêt. Hein? Mon cher maître. Mais comment, vous voilà revenu? Oh. Apparemment, puisque je suis ici. Mais il était convenu. Rien d'écrit. Et votre parole? Je la reprends. Pardon, mon cher Hoffmann, une petite affaire à terminer. 500 ducats et je vous tiens quitte. Oh, encore? Hein? Mais il faut mieux bardager. Mais Olympia est ma fille, enfin. Eh là, messieurs! Mais je vous les ai payés. Misérablement. Oh! Oh, mais j'y pense. Eh bien, soit! Mais comme je n'ai pas d'argent, vous voudrez bien prendre ce billet sur le juif Elias. Elias? Elias. Oui! C'est une maison solide. Ah, mais cette fois, vous me signerez une renonciation entière à tous les droits paternels, y compris les yeux. Rien de plus juste. Donnez. Donnant. Donnant. À propos, avez-vous une idée qui me vient? Et quel don? Vous devriez marier Olympia. Oh, mais c'est une très bonne idée. Demandez à Z imbécile qui vient de sortir. Il en est amoureux fou. Quel migot. Sèche. Oh oui. Sèche. Allons, je vous laisse à votre petite fête. C'est ça. Au revoir. Allez, va, mon ami, va te faire payer chez le juif Elias. Monsieur. Je suis là. Voilà vos pots. Mais quoi? Invité. Mes invités. Ah, mes invités, mais introduisez-les. Oh, ma physique, mon frère, la science. Quel trésor! Mesdames et messieurs, je vous présente ma fille Olympia. Charmante, 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 charmante.
Et surtout impatiente d'en conquérir de nouveau. Ma fille, obéissante à vos moindres caprices, va s'il vous plaît penser à d'autres exercices. Vous chantez un grand air en suivant de la voix talent rare, le clavecin ou la guitare, ou la harpe, à votre choix. Chantez, présentez, et soufflez, prêtez, apportez.
lui que l'accent. Allons, messieurs, la main aux dames, le souper nous attend. Le souper, on sera. À moins qu'on ne préfère danser la main. On a le souper, on l'a fait. Ensuite, on dansera. Comme il vous plaira. Oserais-je? Elle est un peu lasse, attendez le bas. Vous voyez, jusque-là, voulez-vous me faire la grâce de tenir compagnie à mon dans la mia? Au bonheur! Nous verrons ce qui lui chantera. Ils ne sont pas. Non. N'est-ce pas? Le dire? Rien. La physique. Ah, oh, monsieur! La physique. Le souper. Vous attend. Oh,
Messieurs, à la déesse de Venise, à Giulietta. Je vous remercie, mon cher poète, et je vous rends votre politesse. Messieurs, à celui qui sera un jour la gloire de l'Allemagne, à Hoffmann. Vous ne buvez plus, Schlemiel? J'ai mal à la tête. Est-ce qu'il est jaloux? Comme un tigre. Il me semble que vous vous endormez. Qui chante pour nous remettre en belle humeur? Ce sera Don Juan, si vous voulez bien le permettre. On vous écoute. Ami, la montagne rêve, l'amour dans les prières est fort divin. Que la brûle désire votre caisse à flore, aux fièvres du plaisir consumeur votre âme. Transformez-vous, puirez à jour, puirez à jour. Oh, diable, c'est lui qui plairait pour démasier à nous livrer ses manières de chanjoyer et consulter dans les cieux. Pour vous servir, mon cher Hoffmann. Vous me connaissez? Assurément.
et je n'ai qu'un désir, c'est de vous connaître davantage. Monsieur, le bruit court déjà que vous êtes épris de notre célèbre Giulietta. Comment? Ne vous fâchez pas. Je ne suis que le plus vieux de ses amis. Permettez-moi d'espérer que je serai bientôt le vôtre. Je vous remercie, mais je n'ai que peu de jours à rester à Venise. Ah, tu crois m'échapper? Je puis me fier aux beaux yeux de Giulietta. Il faut lui parler. Comment le capitaine d'Apertuto se fera-t-il annoncer aujourd'hui? Sera-ce toi qui me serviras, précieux diamant? De moi, monseigneur? Assurément, chère dame. Vous avez quelque chose à me demander? Vous vous rappelez ce que vous avez fait pour notre ami Schlemihl? C'est l'ombre d'Hoffmann que vous voulez? Non. Demandez-lui son reflet. Son reflet? Doutes-tu donc de la puissance de tes yeux? Je n'ai qu'un mot à dire pour qu'il soit à mes pieds. À la bonne heure. Celui-ci, madame. Votre main tremble. Quelle crainte ou quel regret a fait tomber cette larme de vos yeux? Ce n'est pas moi qui peux vous rendre heureux. Ah, Giulietta, ne me refusez pas la douceur de vous aimer. Allez, partez. Soyez heureux avec une autre.
qu'une autre vous donne ce bonheur que j'aurais voulu vous donner. Tu m'aimes donc aussi? Oui, je t'aime. Il est à moi. Vous causiez avec Giulietta, monsieur? Oui, monsieur. Cela vous fâche-t-il? Si vous ne l'aimez pas, cela m'est indifférent. Mais si vous l'aimez, cela me fâche. Eh bien, fâchez-vous donc à votre aise, car je l'adore, je suis aimé. Ah, je devrais pour toute vengeance vous laisser aux mains de cette sirène. Mais non, j'ai pitié de vous. Et je veux vous guérir de la passion folle qui m'a perdu. Comment cela, monsieur? Avec ceci, monsieur. Vous ne pouvez pas vous battre sans épée. Tenez, prenez la mienne. Soit! À nous trois, mes maîtres. Tu dois quitter Venise au plus vite. Impossible. Parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, je l'aime. Oh, tu es fou. Je vais faire sceller deux chevaux et t'attendre sur la route. Je n'irai pas. Soit. Dans un quart d'heure, je te fais enlever par deux portefaix. De gré ou de force, tu me suivras. Oh, malheureux! Qu'avez-vous fait? Que m'importe? Si la mort vient me trouver dans tes bras. Il faut fuir. Pars pour l'Allemagne. Te quitter, Juliette. Te quitter, non. Je t'aime. Thank you.
Cette glace. La belle enfant vous aura pris votre reflet. Mon reflet? Suis-je donc les jouets de l'enfer? Consolez-vous-en. Juliette vous dédommagera avec usure. Mais vous ne savez donc pas que je viens de tuer un homme et qu'il m'est faut fuir à l'instant. Ne pouvez-vous remettre votre départ à demain? Non. J'ai un ami qui veut à toutes forces m'enlever d'ici. Voilà qu'il en dormira pour quelques heures. Qu'est-ce que cela? Un breuvage délicieux, mon cher, grâce auquel votre ami Niklos vous laissera jouir en paix de votre bonne fortune. Que vais-je faire? Que le seul breuvage? Oh, je me sens glisser malgré moi sur une pente rapide où je ne puis m'arrêter. Qui vient là? Niklos? Non. Oh, j'ai peur. Par ici, madame. Par ici. Parti. C'est bien. Le reste ne me regarde plus. Je suis cruellement vengée.
Maladroite.
pitié, tais-toi. Je crois toujours entendre la voix de ta mère, et cela me brise le cœur. Si tu m'aimes, ne chante plus. Qu'exigez-vous de moi? Ma mère, la plus grande cantatrice de l'Allemagne. Ah, ce sont tous mes rêves que vous brisez. N'importe, vous le voulez, je ne chanterai plus. Je ne sais quelle illusion me poursuit, mais cette ressemblance est effrayante. On vous attend à la philharmonique, monsieur. C'est bien, mon chapeau. Très beau, monsieur. Comment très beau? Je te demande mon chapeau, animal. Ah, très bien. Vous ne prononcez pas. Écoute ici. Tu ne recevras personne. Vous croyez? Où vas-tu? Je vais voir si l'on sonne. Peste, sois-tu sourd. J'ai dit, tu ne recevras personne. Personne qui m'attend. Tu m'entends? Eh oui, monsieur, je ne suis pas sourd. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Mon Dieu, que les maîtres sont exigeants. Il n'y a jamais moyen de les contenter. Jour et nuit, je me mets, jour quatre, au moindre signe, je me tais. C'est tout comme si je chantais. C'est mépris, il lui faudrait rabattre. Je chante seul, quelquefois, mais chanter n'est pas commode. Tra-l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 a, ce n'est pourtant pas la voix. La-l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 a, qui me fait défaut, je crois. Comment se porte mademoiselle Antonia? Il vient de sortir, monsieur. Imbécile. Je te parle d'Antonia. Ah, mademoiselle Antonia, vous ne prononcez pas. Toujours fraîche et jolie comme une... C'est bon, on te dispense de la comparaison. Va-t'en. Fort bien.
Mais non, diable, monsieur m'a défendu de recevoir qui que ce soit. Eh bien, est-ce que nous sommes qui que ce soit? C'est juste. Quel imbécile. Idiot, crétin. Oh non, monsieur, pas avant une heure. Voilà son clavecin. N'est-ce pas là cette chanson qui lui plaît? C'est une chanson d'amour qui s'envole triste au foyer, qui s'envole triste au foyer. Oh, Antonia! Je suis de trop, bonsoir. Oh, je me serais mieux. Thank you.
Vas-tu donc. Tu souffres. Non, ce n'est rien. Encore. Chut. On monte l'escalier. Voici mon père. Viens. Monsieur. Monsieur. Il est sourd. Monsieur. Qu'y a-t-il? C'est un homme tout noir qui demande à vous parler. Son nom. Son nom, te dis-je. Le docteur. Le docteur Miracle. Non! Ton docteur Miracle n'est qu'un assassin, un fossoyeur! Les malades qu'il a touchés du doigt sont condamnés d'avance. Il était venu chez ma femme le jour même qu'elle mourut. À la porte, docteur Miracle! Entrez, monsieur. Cher monsieur Crespel, que je vous embrasse! Eh bien, notre chère Antonia, la pauvre enfant est donc malade? Qui vous a dit cela, monsieur? Votre fille est malade. Dois-je vous rappeler ces taches roses, présages funestes qui montaient aux joues d'Antonia à chaque fois que le démon de la musique s'emparait d'elle? Quand ange, il voit tout, il voit tout! Il serait vraiment dommage de laisser périr une si belle proie. Venez-moi près d'elle. Pour l'assassiner? Veux-tu tuer ma fille comme tu as tué ma femme? Arrête! Et là, tout doux, je ne veux pas vous déplaire. Je traiterai votre fille à distance. Que veux-tu faire? Thank you.
s'anime et son regard flamboie. Elle porte la main à son cœur agité. Qu'aurait-il? Il serait dommage, en vérité, de laisser à la mort une si belle proie. Si vous voulez accepter mon secours, si vous voulez sauver ces jours, la certaine flacon que je tiens en réserve. Voilà donc le secret de sa fuite. Pauvre Antonia. Oh, qu'elle ignore toujours les dangers terribles qui la menacent. Mon Dieu, qu'as-tu? Cher Antonia, tu m'as parlé d'un rêve de gloire que je ne peux partager. Pour m'appartenir, il faut que tu renonces à tes rêves d'artiste. Plus de chant, plus de théâtre. Auras-tu le courage? Oh mon Dieu! Tu hésites? Mais toi-même! C'est Antonia que j'aime, et non sa voix. Eh bien, dispose de moi. Tu renonces à tes espérances? Oui. À la musique même? Par pitié, Antonia, ne chante plus. Écoute, on monte l'escalier. C'est ton père. Je ne veux pas qu'il me trouve ici. À demain. Est-ce qu'on défend aux oiseaux de chanter? Ah, de mon père, il s'est fait le complice. Allons, les pleurs sont superflus. Je l'ai promis, je ne chanterai plus. Qui murmure ton nom et qui te suit des yeux.
il n'aime en toi que ta beauté, et pour lui, comme pour les autres, gagne bientôt le temps de Thank you.
Antonio. Adieu, toi la fin, ma fille.
Voilà, mes amis, quelle fut l'histoire de mes trois amours. Vivons! Un dernier coup, messieurs, à Olympia, à Julietta, à Antonia! Finale! La représentation est terminée, messieurs! Dieu, c'est la diva qu'on acclame! À moi, la belle! Oui, Stella. Sous les trois aspects de sa vie, artiste, courtisane, jeune fille, buvons à cette aimable synthèse. Messieurs, le souper est servi. Au libre les poches, lisons-nous. Et quel est plus fort rouleux sur la table. Et quel est plus fort rouleux sur la table. Et quel est plus fort rouleux sur la table. Venez-moi que je cherche à m'étourdir. Non, plus d'amour, plus rien, rien. Julietta, no, assassiné, Antonia, no, mort. Es-tu fou? Non, je te reconnais, Stella. Oh!
madame. Hoffmann ne vous aime plus. Voilà le conseiller Lindorf qui vous attend.